Et c'est reparti. Bon. Ah, j'aurais pu la mettre dans mon inventaire. De quoi? Des balles de fusil à pompe. Bah, des balles de fusil de sniper. On pense à avoir mis des trucs très simples. On en a eu pas mal durant ce chapitre. Je vais améliorer, je pense, mon pistolet. Ah, j'ai eu deux idoles. Masque de cérémonie. Énigme bleue. Alors ça c'est ce qu'on a obtenu pour avoir tué les deux crocs. Ah. À la fin. Ok, bon, je vais améliorer. Dégâts coup critique du fusil à pompe augmenté. Parce que bon, faut que ça serve à quelque chose l'argent. Merde, j'ai fait le con. Ah non, j'avais pas vu aussi que je suis full en munitions de Magnum quoi. Bah, on est bien. Il y a seulement le fusil d'assaut que j'ai total. Mais c'est normal ça. Alors je vais faire, je vais garder un petit peu de munitions de pistolet et de fusil à pompe si jamais on est dans la dèche. Parce que ça me prend une place d'inventaire donc si jamais j'en ai besoin. Ah oui, tu peux tout garder. Alors je vais améliorer le pistolet aussi. Mais arrête de... Pourquoi en première option de base c'est retirer? Mais je veux pas retirer, je veux juste améliorer. On va augmenter les munitions. Ah, je suis au max. Voilà. Ah ouais, 800€ pour 800 000$ pour améliorer le truc. Voilà. Si jamais je suis en dash, je suis bien. J'ai fini de ranger mon inventaire. C'est pas pour moi. Code Véronica. Ça fait 3 jours qu'on est dans ce truc. On est enfin avec tout ce qui passe. C'était long, mais ça en valait la peine. De l'argent. Fusil. Bon bah c'est pour toi alors. Ah. Ça n'est qu'un zéro ici, hein. Ah non, il est hors. Pardon. Je sais pas laisser. Bon bah là, je pense que là j'ai fait des sacrées munitions, des sacrées provisions pour les pistolets. Non, j'arrive. Je vais m'excuser, monsieur, mais je suis en train de revoir mon inventaire, donc... Aïe! Comment il a volé? Ils peuvent topper dans l'eau aussi.
T'as carte rouge de fusil à peau. Ah. Je crois que je suis au max donc. Oh. Oula. Oh merde, putain, je sais pas, une flèche de ta mère. Ah, c'est de où les balles de... Ah, ils sont là. Ça, c'est ce fils de pute là qui... C'est Joe la... Joe la flèche. Je suppose qu'il faut faire le tour pour aller... Je sais pas où il faut aller, au secours. Oh, t'as une échelle de l'autre côté. Je crois qu'il y en a un qui est tombé dans l'eau, mais je suis pas sûr. Oui, ils peuvent tomber dans l'eau, ça les tue. Immédiat. Oh, bon boulot. Bah, fusil de mitrailleuse. Ah. Bon, je laisse tout. Je laisse tout. Ça arrête de faire de la merde. Voilà. Je combine mes armes. Je remets mes munitions. Ça parle trop ici, alors je préfère réglame ça à ma façon. Oui, ici. Ok. Y'a rien ici. Mais toi sur le machin. Alors par contre prépare-toi quand tu vas avoir tes QTE à plein. Ça je l'explose ou pas le fil là. Non le laisse, je vais tirer la manivelle, du coup ça veut pour que tu t'appuies sur le couteau de l'autre côté mais. Pour que tu puisses passer de l'autre côté, mais tu vas avoir des gros crocs qui vont te sauter dessus, donc tu vas devoir faire des vidéos pour les éviter. Ok, je reste appuyé sur les boutons. Non, non, faut que tu appuies dessus. Ah non, c'est un peu chaud au clavier, un truc comme ça. C'est bon les QTE qu'il faut activer en une seconde. J'appuie hein, sur le bouton. D'accord. T'es vu te faire moi j'ai une violence. J'ai appuyé sur le QTE, c'est ça le pire. Ok. Non, bah, tu sais quoi faire le... Non, non, je vais le faire. Les combinaisons de boutons, maintenant que je connais les combinaisons de boutons, ça va. Faut appuyer sur deux boutons à la fois, quoi. Non mais c'est juste, le QTE, il te spawn à la gueule en... T'as 2 secondes pour réagir, quoi. Ça a ouvert le menu, espèce de jeu de merde. Alors maintenant, ok, même plus sur SNV, mais sur...
Non, non, mais c'est juste que si c'est le même bouton en boucle, ça va. Mais c'est juste que ça a appuyé sur Y au lieu de XA, quoi. Le jeu s'est foutu de ma gueule, quoi. Oh non, mais s'il change de QTE à chaque fois, non, mais c'est bon quoi. Non, non, là c'était LTRT, super. C'est pas du tout immonde. Attends, elle est où la manivelle? Bah non, je sais pas où c'est. Ah oui, ici là, au milieu. Au milieu. Ça, tu vois pas un beau officier? Non, je le vois pas. Je veux bien, mais j'y vais comment? Retourne en arrière, tout simplement. Saute en pâle. Bah il veut pas en fait descendre, il veut... Non, ici là, ce côté, là, elle est là. Ah d'accord. Et là tu tournes à gauche et t'as le truc contrôle. Ah, maintenant c'est mon tour de te voir te faire bouffer. Non mais les QTE franchement... Non c'est le temps que tu en sors bien vite quand t'as un peu trop 32 touches. Ouais c'est immonde et puis sur mon console c'est deux touches à la en même temps quoi. Ah oui c'est pas pareil, le premier c'était A plus C, le deuxième c'était E plus V. Ah, moi au début c'était les boutons de la manette principale, tu vois, XY. Je me demande si parfois c'est pas le bouton de la zone. Ouais, bon, c'est un petit peu bizarre ce truc. Attends mais comment on spawn, il y a que 2 mètres d'eau quoi. Putain, à 2 cm du truc. C'est vrai que c'était des petites salopes quand même. Hein. Ah non, mais sur le dernier, je crois que ça a dû jouer à quelques millisecondes. Attends, tu as tes récentes dans les. Ah, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait des crânes. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est des pierres précieuses.
Le petit prank. Ah. Heureusement que je perds pas de vue. Ah, ça aurait été bête. Confinance. Quoi? Alors, tu peux trouver des trucs dans les sautes, c'est impossible. Ah, c'est joie, trouver 100 dollars. Du coup, m'explique ce que 100 dollars pour dans les hautes serbes. Oh, trouver un scarabée. Entre les deux bidons. Un premier de secours. Ah, le retour des caisses. Test de grandeur nature. Plage, d'accord. Ok, j'aurais la flemme de tout lire. Dès que ça fait plus de 5 pages, ça m'emmerde. Ah, t'es munis de pistolet là où je vais essayer de voir ça. J'en ai 68. Même pas mal. Oh. Ah, dis donc. On a vu des environnements là pour le moment. Au début, on était en Afrique. Bah, on est encore en Afrique, hein. Non, mais on est plus dans le même pion. Ah! Ça y est, c'est devenu Metal Gear là. Faut s'infiltrer. Il faut qu'on s'infiltre. Come on. Voilà, comment on nique une infiltration en 2 secondes. C'est ridicule, sérieux. Le mec qui s'est fait s'infiltrer qui gueule comme j'imagine un truc similaire en fait sur Happy. Imagine ça dans Metal Gear, le premier truc qui dit le gars c'est... Eh, salut les gars, ça va? Oh. J'ai pacifié les États-Unis de cette façon, les gars. C'est pas vous qui allez me le faire. Non, reste. Ah, il y a tant de dynamite. Ah, ben, je vais tirer sur le mec à la dynamite, je crois. Alors, le Magnum. Et une arme qui fait énormément de. Fusil à pompe aussi. Ah, il y a un truc là, un loot. Aïe, j'allais pas partir sans mes munitions de pistolet. Ah. Attends, tes mecs gueulaient encore, mais... Je sais pas, ils sont... J'en ai buté un qui était posté. Oh. Je vois des mecs... J'entends que tu tires sur quelqu'un. Derrière la nuque. Ah bah y'a pas aimé. Il y a l'autre là. C'est bon, il s'en va. La zone a été pacifiée. C'est quoi ce bruit? Ah, t'as un feu. Ah, ils étaient cachés derrière le mur. Ils étaient pieds cachés là. Ils sont arrêtés de respirer et tout. Alors en fait, à chaque fois après que je tourne un coup au corps à corps, tu peux venir par l'intérieur pour leur donner un autre coup au corps à corps et faire un coup. Aïe, j'ai pris une flèche, j'ai perdu. Ah, feu d'artifice.
Mon ilou, je joue la fléchette. Je lui ai tiré dans le bras, dans la tête. Pourquoi tu l'appelles la fléchette? Bah, il y a une arbalète. Oui, il y a quelque chose. Ah, c'était pour toi. Attends, j'ai vu qu'il y a l'autre de quelque chose. Ah oui, une grenade à sortir. Je vais fermer le feu. Ah non. Tu peux... Ah, c'est fermé. Ok. Ah, par contre, je fais attention maintenant qu'il va y avoir des mecs que tu as beaucoup apprécié. Ah, tronçonneuse man. Tentez. Je te propose que comme ils sont très résistants, je te propose qu'on les laisse, qu'on les ignore, ils connaissaient simplement tout. De s'enfuir, ouais. Ça me va aussi. Du coup, tu peux passer au suivant. Où ça, au suivant? Ah bah écoute, contente-toi de te juste pas survivre, enfin. De pas mourir. Attends, il faut aller sur la gauche là. Oui, mais il faut utiliser le machin. Ah. Essaye tout simplement. Le fait d'en mettre le gars là, c'est à peu de sa vie. Si t'as le mec à la tronçonneuse qui vient vers toi. Je vois que tu fais le tout de travail. Ouais, mais... Ah, il me suit, le mec à la tronçonneuse. Ah. Super, il y en a deux. Ah. Je t'ai un petit peu laissé seul. Bon, on n'a pas loot. Tant pis. Si on aurait loot là, ça aurait été là. Ah, mais il est vivant. Josh? Shiva? C'était... You're alive! En fait, non, je suis en train. Are you okay? Et là, cliffhanger. How did you get here? C'était un méchant. We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Tout le monde est mort. Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on. Donc on joue à un moment quoi. Pas dans le scénario principal, dans les Putain, mais si je visais juste de faire ça dans une game. Je
on a fini dans la si. Allez. Son. Ah merde, j'ai frappé Josh. Fais attention car il peut crever. Ah. je te dis qu'il faut le défendre. Et moi je le tabasse. Oh, ça revient au même, hein. Ah, grenade à main. Y'a pas d'autres mecs qui viennent, là. Désolé, monsieur, vous êtes pas VIP. Ouais, je protège le VIP. Ah! Ah, le VIP se débrouillera tout seul. Hein. Bon, j'ai compris. Eh, hey, le loot! Non, on peut draper tout sur les deux si tu veux. Aïe! Grenade à main, pistolet. Vas-y, viens. Attends, il y a. Ouais, grenade à main. Bon, j'ai plus beaucoup de munitions. Je vais lui apprendre à me parler mal. Tu me redis move une fois, je te tire dessus. Il m'a tué au même moment que je me relevais. Pourquoi la paix, elle est ce que t'étais quand t'as essayé de te relever. Bon, je vais jouer full pistolet là parce que j'ai 100 balles de pistolet là. Ah merde, attends. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est que si tu me redis move une seule fois dans ta vie, je te tire dessus. C'est comme ça qu'on tue Josh. Ah, cool. Ligne de proximité. Tu viens ou tu peux te rester en arrêt? Je m'occupe des mecs au. Ah. On a associé tes. Ouais, j'ai vu, il est tout seul avec les mecs. Ouais, s'en sort bien. Bon, tu vas mourir ou merde? Oh putain, il y en a un autre.
Faut pas. Faut aller où là? Ok, ah d'accord, faut descendre puis remonter. Puis là il s'est batté les couilles et puis il est parti à la. Parti direct, hein, l'assaut. Hein. Toujours plus. Pistolet, là. Encore. Encore, putain. J'ai encore 100 balles de. Oula. Pourquoi il se rend pour qui a un de honnêteté descente? Bah parce que c'est un supérieur. Tu peux arrêter de tourner autour du poteau? T'es un petit peu laissé seul là, non? Après, c'est toi qui a le mec à la tronçonneuse. Je te conseille de descendre si tu t'y as à la vie. Ah! Bon, Josh. Ah, les ennemis qui étaient là il y a 5 secondes. Il fait même pas de forcer la porte. Non, fais juste de se mettre devant, quoi. Bah, tu vois, c'est comme tu as dit, quand tu ouvres les portes, ça arrête les... Ah ouais, comme un hommage à Resident Evil 1. Et Josh, be careful. Si tu me dis... Une fois de plus que d'être prudent, je te défonce. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu remets des munitions. Ah non, je suis au max au pistolet. Chris, bouge ton cul. Roger. Roger. Mec, ça fout de ta gueule en plus de ça. Chris, tu te fous de ma gueule? Ou Ranger. Mitrailleuse ici. Et mitrailleuse. Il y a deux trucs à mitrailleuse ici. Bon, bah, je te les prends, je te les donne. Le retour au port. C'est le truc qu'on peut côté. C'est des trucs à te donner. Bien beau. Je espère que c'est pas un coup de matraque. Voilà, t'es full. T'es full en mitrailleuse. Ah, mais je m'en fous de la grenade. Ah. Mettre une balle tout de suite. Abrégeant ses souffrances. Non mais on le laisse partir. Car sinon, on nique le scénario. Ah bah oui. On nique le chapitre 3. Hein. Ah. Je pense qu'il faut tuer tout le monde. Faut s'échapper sur deux. Comme tu peux le voir, il y a un gros nom, si on reste jusqu'au bout, on
meurs. Ah! Des baramines? Ah non, de l'or. Mais lui, il est pas mort. Oh non, putain. Fais sorte. Mais... Ah merde, encore un. Ah, il y a des lanceurs de baramine ici. C'est bien, juste que ça. Pas de temps de négocier. Aïe. Oh non, des chiens. Tu le fais tout ça, il y a un piège. Ah merde. Aïe. Le gros m'a mis une claque. Bien vu, vite, t'es pas le choix. On s'en fout, t'es mec. Ouf. Quickly, we must go. Are you all right? Ça s'est joué à 7 secondes. Tu poses fin de chapitre? On aurait eu le temps d'en faire deux. Pas mal. Bon, je crois que... Qu'on va y avoir du chômage technique dans le jeu. Ceux qui travaillent dans le centre pétrolier, là... ils ont le seum, hein. Et c'est une fin de chapitre, effectivement. Ah ouais, 71% de visée. 84. Donc voilà. Bon là, c'est sûr qu'on va s'arrêter là. Pour Resident Evil. Attends, il y a encore un chapitre pour le chapitre 3 ou c'est chapitre 4 la prochaine fois? Non, c'est le 3. Encore. Ok.